le monde, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je vais faire changement et je voulais vous présenter des produits marqués, mes produits préférés. Comme certains d'entre vous doivent déjà le savoir, je suis maintenant représentante marquée, je suis une conseillère indépendante. Alors moi, je rencontre vraiment des femmes et des hommes aussi, je les aide à choisir des produits qui conviennent à leur type de peau, à leurs besoins. Et j'aime vraiment ça, dans le fond, c'est ma passion, fait que allier passion au travail, c'est vraiment super pour moi. Quand j'ai découvert les produits, je voulais vraiment tous les avoir, je voulais tous me les procurer. J'étais complètement tombée en amour avec la gamme, les produits, la marque en fait. Puis même si je les adore tous, ben j'ai ciblé vraiment mes préférés, mes gros coups de cœur. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans mon petit vidéo, alors restez et... pour regarder si ça vous intéresse. La première chose que je vais vous présenter, c'est une petite merveille que j'ai découvert. C'est la brosse Skinvigorate, qui est en fait une brosse à utiliser avec son nettoyant, qui mousse avec, dans le fond, tu utilises avec de l'eau ton nettoyant et ça fait mousser, ça vient rentrer dans tes pores de peau. C'est vraiment un nettoyage en profondeur, ça vient enlever les impuretés, le sébum, tout ce qu'on a accumulé au cours de la journée sur notre visage, fait que ça vient vraiment faire un bon nettoyage, ce qui est très important pour notre peau. Alors, il y a deux vitesses, une petite vitesse comme ça et une vitesse supérieure. Alors, ça s'utilise avec votre nettoyant, celui qu'on a ici marqué. C'est un nettoyant, ben moi j'utilise celui-là, le Botanical. Alors, ça s'utilise avec ça et ça va vraiment super bien. Et ce qui est super, c'est vraiment l'effet que ça donne. Parce que votre peau est tellement propre après, une sensation de fraîcheur et de netteté incroyable. Et ça vient enlever 85% plus de maquillage que lorsqu'on se nettoie le visage avec nos mains. Moi, je n'étais pas au courant qu'il restait autant de maquillage. Je me démaquille super bien. Puis la première fois que j'ai utilisé la brosse, je ne vous mens pas, il y avait plein de fond de teint, il était rendu orange. Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'ai réalisé qu'il y a du maquillage qui reste dans tes pores de peau, même si tu te démaquilles super bien. Et cette brosse-là, elle vient vraiment aider pour ça. Fait que moi, c'est mon gros coup de cœur. Un autre produit dont je voulais te parler, c'est un hydratant pour le tour des yeux. En fait, c'est un gel apaisant. Puis, comment ça fonctionne? Ben, tu l'appliques ici en dessous et en haut. Puis ça vient vraiment hydrater le tour de tes yeux, qui est une zone très sensible qu'on a tendance à négliger beaucoup. On la maquille beaucoup cette zone-là, puis on ne l'hydrate pas. Dans le fond, on la démaquille, mais je veux dire, on la traite pas autant qu'on peut traiter nos boutons, notre visage, nos points noirs. Fait que c'est super important de prendre soin du tour de nos yeux, parce qu'en plus, cette zone-là, c'est elle qui a tendance à vieillir prématurément plus tard. Fait que si on veut éviter ça, il faut commencer tôt. Puis moi j'utilise ça, dans le fond c'est un petit gel. Puis en pharmacie, un produit comme ça c'est super dispendieux parce que les produits pour les yeux c'est cher. Mais bon, celui-là il est accessible, il coûte 22$. En pharmacie, je m'en étais déjà acheté un, puis c'était une cinquantaine de dollars. Alors que ça, c'est deux fois moins cher et ça fait autant bien. Fait que moi, je suis vraiment tombée en amour avec ça. Une autre affaire que j'aime vraiment beaucoup, c'est un ensemble d'abrasions microdermiques. En fond, il y a un affinement puis un minimiseur de pores. Ça, ça vient ensemble. Et ce que ça vient faire, ça vient vraiment lisser votre grain de peau, polir les imperfections, tous les petits défauts de notre peau. Dans le fond, ça vient vraiment enlever ça, là, aider à diminuer l'apparence. Fait que moi, j'utilise ça une fois par semaine. C'est assez puissant comme exfoliant, fait qu'il ne faut pas l'utiliser plus d'une fois par semaine. Puis moi qui ai des cicatrices d'acné et d'autres petites imperfections du genre, ben je veux polir ça, je veux donner de l'éclat à ma peau, je veux diminuer leur apparence. Puis ça l'aide vraiment, ça va super bien. Fait que moi je suis vraiment comblée avec ce produit-là. Et ça vient avec un minimiseur de pores. Oups. Comme ça, qu'on vient appliquer après. Fait qu'on vient vraiment ouvrir les pores de peau, enlever toutes les saletés, les impuretés... tout ce qu'on n'aime pas, puis on vient les refermer avec ça, qui vient minimiser l'apparence de vos pores. Alors, moi, j'adore ce produit-là. Un autre ensemble que j'aime beaucoup, c'est l'ensemble Satin Lips, qui est composé d'un exfoliant et d'un baume hydratant. Dans le fond, comment ça fonctionne? Ben, premièrement, on applique l'exfoliant, ça vient vraiment enlever les peaux mortes et tout, comme on fait sur notre visage, sauf que là, c'est vraiment pour les lèvres. Et ça permet une meilleure hydratation par la suite avec le baume hydratant,
qui va bien lui aussi, c'est au beurre de karité. C'est très hydratant, c'est bon pour les lèvres, ça les rend lisses, pulpeuses, une belle texture là. On n'aime pas ça, ça a tout le temps une texture de peau morte. Mais ouais, c'est ça, l'hiver, c'est vraiment dur de prendre soin de nos lèvres avec les temps froids et tout. Mais je vous dirais que ça m'a vraiment aidé cet hiver. Je ne m'en passe plus, je fais ça souvent à tous les jours presque là. Ben pas l'exfoliant, hein. L'exfoliant il faut le faire 2 à 3 fois par semaine maximum. Mais l'hydratant, on peut l'appliquer autant qu'on souhaite. Bon, alors, c'est ce qui faisait le tour de la partie plus produit. Maintenant, je vais entamer avec le maquillage. Dur de choisir mes préférés parce que tout va bien. J'adore vraiment tout. Je me maquille avec ça, là. Aujourd'hui, je suis maquillée avec ça, vous pouvez voir. Fait que je me suis fait un petit look marqué. Puis, c'est ça, c'était dur pour moi de choisir mes préférés. J'aurais aimé ça tout vous les présenter. Mais pour ça, ça va être avec un soin beauté. Fait que j'en fais à mes clientes. Si vous en voulez un, c'est gratuit, hein? Ça ne m'engage à rien non plus. Fait que vous avez juste à m'écrire un petit message, puis je vais vous répondre. Ça me fait super plaisir de vous voir. Donc, c'est ça. Bon, je vais commencer avec ma petite crème que j'adore vraiment. Ça, dans le fond, c'est une couverture légère, mais ça va tellement bien. C'est une crème correctrice de teint. Puis, ce qui est super, c'est qu'il y a un FPS 15 à l'intérieur. Donc l'été, tu mets ça, c'est léger, ça vient éclairer ton visage, te donner un beau teint radieux. Mais t'as une protection solaire, puis ça fait pas non plus trop là, puis ça vient pas faire un fini gras. Moi qui ai la peau grasse, ben ça me convient super bien là. C'est pas tous les produits qui conviennent à mon type de peau parce que ça a tendance à vraiment créer une zone T luisante, ce que je ne veux pas. Mais ça, ça va bien pour ça, vraiment, je l'adore. J'adore la sensation que ça fait, c'est pas trop... C'est léger aussi, fait que c'est vraiment super. Un autre produit qui pogne vraiment beaucoup, c'est le mascara. Et moi, celui que j'utilise, celui que j'ai en ce moment, en fait, c'est le Lash Intensity. Vous pouvez voir la brosse comme ça, là. Vraiment, ça vient faire des cils longs et épais. Ça vient créer un super beau look. Puis moi, je m'en passe plus. Fait que vraiment, un coup de cœur pour le mascara Marie Kay. Un autre produit que j'adore vraiment, c'est le eyeliner de Marie Kay. Sérieusement, moi j'étais due pour m'en racheter un. Fait que quand j'ai eu mes produits marqués, ben j'ai pris celui-là. Puis j'ai tellement trouvé que l'utilisation était facile là, parce que ça m'est faire un look. C'est facile de se faire un look défini, faire une ligne mince, c'est pas une grosse affaire là. J'avais bien de la misère avant ça, mais ça c'est super facile. Regardez la pointe, c'est comme un petit crayon Sharpie. Ça s'utilise tellement bien là, puis ça vient pas... Tu sais, quand tu l'utilises, ben, ça ne vient pas monter tout le temps, ça ne vient pas faire une grosse ligne. C'est super facile à utiliser. Fait que moi, je suis vraiment tombée en amour avec ça. Un autre produit que j'adore. Bon, ben, c'est pas mal ça qui complète mes petits coups de cœur marqués. Ça fait pas le tour parce que chaque produit a quelque chose de super le fun. Chaque produit mériterait d'être présenté. Mais écoutez, hein, ça serait peut-être long un peu. Fait que c'est pour ça que je vous ai présenté vraiment mes coups de cœur à moi. Mais ça varie d'une personne à l'autre. Les produits sont tous très bons, d'une très bonne qualité. Fait que si vous voulez en apprendre davantage, si vous voulez essayer les produits, ben ça va me faire plaisir d'aller vous voir. Posez-moi des questions, venez m'écrire un petit message. Regardez, moi, je suis là pour vous. C'est ma passion. Fait que contactez-moi. Puis je peux vous offrir un soin beauté gratuit aussi, sans problème. J'aimerais vraiment ça avoir vos suggestions pour mes prochaines vidéos parce que je commence déjà à être à court d'idées, et oui. Fait que écrivez-moi, que ce soit sur ma page Facebook, sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner. J'ai une page Facebook qui s'appelle Beauty with Sarah, le même nom que ma chaîne. Et ma page Instagram, c'est Starmer. Fait que c'est pas trop compliqué. Vous pouvez aller vous abonner, m'écrire un petit message sans problème. Puis c'est ça, écrivez-moi vos suggestions de vidéos, ça va vraiment m'aider. Puis ça va me permettre de savoir ce que vous aimeriez que je fasse. Alors, merci et à la prochaine pour une autre vidéo.